Mais comme tu as grandi. Bonjour, Tantine. Tu n'as vraiment pas bonne mine. Tu crois? Quand tes parents arriveront, il faudra qu'ils te trouvent. Mmh. Ils ne te donneront rien à manger, ces messieurs. Mais si, je t'assure. Veux-tu prendre quelque chose? Non, merci, je vais faire un tour à la ferme. Encore? J'arrive, pourquoi tu dis encore? Je voulais dire déjà. Linon n'est pas là? Non, il est rentré chez lui. Alors tu es tout seul? Je t'attendais. Je veux partir d'ici. Pourquoi? Je t'expliquerai. Prochain, nous dirons une messe particulière. Pour la paix? Pour la victoire. La guerre n'est pas encore là. Non. Elle arrive, madame. Elle arrive. Le bon Dieu ne voudra pas ça. Nous prierons la Sainte Vierge, la France et son jardin. T'aurais pu me dire bonjour avant d'aller à la ferme. T'as pas faim? Non, merci. T'auras mangé un morceau là-bas? Avec tes gardiens de cochons? Mais non. Ça sent bon, non? Ça sent toujours pas le purin ici. Tu n'es pas bien ici? Comment ça, je suis très bien ici. Et si demain on me dit, allez, c'est fini, retournez là-bas. Et tu ne crois pas que si mon père... Jamais je retournerai là-bas. Quand vas-tu partir? Quand tu voudras. Je t'ai attendu. Je te l'ai dit. On ira où? Je peux pas te le dire. Alors j'y vais pas. T'as pas confiance? Je veux savoir. Et si je te le dis, tu viendras sûrement? Oui. Et tu n'en parleras à personne? Eh bien.
bien nous irons dans une île. Dans une île? Oui. Une île déserte. Loin? Assez loin pour être tranquille. Tu la connais, cette île? Non, mais Lino la connaît. Il va pêcher par là. J'ai de l'argent, tu sais. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Lino nous apportera des provisions chaque semaine. Des poissons et des pommes de terre. On dormira où? Il y a une cabane. Il y a même un vieux puits. Elle a été habitée, alors? Autrefois, oui. Aujourd'hui, c'est une île. C'est horrible, ce que vous dites. Une guerre, c'est toujours horrible. Mais notre armée est la plus forte, c'est certain. Je pense à mon frère. Avez-vous de ses nouvelles? Il doit arriver bientôt, avec sa femme. Et votre neveu? Il est ici depuis quelques jours. Mon Dieu, cette guerre. Vous ne pensez pas qu'on pourrait l'éviter? Il me semble qu'elle est déjà là. Comment s'appelle-t-elle, l'île? Elle a pas de nom. Faut pas qu'elle compte sur nous pour lui en donner un. Oh! Vous venez m'aider? Quand il pleuvra, faudra réparer le toit. T'as vu? S'il y a la guerre, tu crois pas qu'ils viendront s'installer ici? Qui ça? Les marins. Je m'en vais, Fabien. Il s'en va. Déjà? Tâche de savoir pour la guerre. Oui.
Bon, allez. Tu as peur des fois? À cette heure-ci, non. Le soir, quelquefois. Pas la nuit, le soir. Quand les cigales se taisent, quand tu es parti nager, je crois toujours qu'il va se passer quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Avec les arbres. Ils se mettent à avancer. Comme les crapauds. Je ne sais pas. C'est le bruit qui me fait peur. Tu l'as entendu, le bruit? C'est comme le bruit de la terre. Ça dure? Quand la nuit tombe, ça s'arrête. Tu devrais rentrer plus tôt. Tiens, une casquette. Mangeons, j'ai faim.